Mais dites-moi si je comprends bien, je suis arrivé trop tard. Non, rassurez-vous, monsieur Rivet. Je désirais vous donner la préférence. Oui, parce que vous espérez en tirer davantage. Mais enfin, vous savez, je ne suis pas plus bête que lui. Non, mais je sais que vous payez comptant. Ah ouais. Eh ben, allons voir votre petit trésor. Excusez-moi, je passe devant pour vous montrer le chemin. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Il y en a 2000 comme ça. Rien que du long de soie, Louisiane. 40 000. Non, non. Non, alors là, c'est même pas la peine de discuter. À Anvers, on m'en donnera au moins le double. 45 000. Dites-moi, monsieur Rivet, vous en avez vu beaucoup du coton depuis 3 ans? J'ai été fusillé, moi. Oui, parfaitement, fusillé. Là-bas, on se bat à la baïonnette dans les champs de cotonniers. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Un bateau cuirassé de plaques de fer m'a tiré dessus en sortant de la Nouvelle-Orléans. Ah, malin, les nordistes. Tenez, regardez. 50 000. Ça va? 60. J'en dois 10 au capitaine. Elle est conclue. Allons à mon bureau. Dites-moi, êtes-vous prêt à forcer de nouveau le blocus? Je vous financerai. Non, 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 non. D'ailleurs, bientôt, il n'y aura plus de sud. Plus de blocus, plus rien. Non, je dételle. Et avec le bel or que vous allez me donner, monsieur Rivette, je vais racheter le château de mes ancêtres et y installer ma famille. Maintenant, je vais prévenir de mon arrivée. Vous croyez qu'il va retrouver son chemin après si longtemps? Le jardin de la France, ça ne s'oublie pas. Pigeon.
Je t'ai déjà expliqué que ton père était au ciel. S'il était au ciel, c'est qu'il s'est évadé. Ta version grecque est terminée? Il y a longtemps. Bah, va la relire. Monsieur le curé va encore trouver plein de contresens. J'arrive, préparez mon bain. Love, Hippolyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Hippolyte vivant? C'est une farce. Et non, c'est bien l'écriture de monsieur, il n'y a pas à s'y tromper. Là, ce qu'arrive quand on enterre trop tôt les gens. Tais-toi donc, idiote! Et ma fille qui est justement à la mairie. 30 cachets et 2 exéquatures, en tout 20 pièces. C'est ce que représente la procédure établissant la disparition d'Hippolyte de Maitré. Et on dit que les magistrats nordistes sont expéditifs pour tuer peut-être. Enfin, voilà le document essentiel qui nous manquait encore. La confirmation officielle du témoignage du marin Jean-Marie Le Quédic, originaire de Plougastel, Finistère. Votre mari, ainsi que de fortes présomptions nous le laissaient supposer depuis 2 ans, a bien été fusillé par les nordistes à Bull Run le 15 juillet 1861. Le certificat de décès, signé par le major Ralph Dwight, nous est parvenu par notre représentant à Washington. Rien ne s'oppose plus désormais, madame, à votre mariage avec le docteur Martin de Rivera. En ce qui vous concerne, docteur, je suppose que vous n'aurez aucune difficulté à faire venir de Montevideo vos papiers d'état civil. Soyez tranquille, monsieur le maire. Mon frère me l'adressera dans le plus bref délai. En ce cas, je puis déjà vous présenter, madame, monsieur, mes félicitations anticipées. Je ferai annuler votre mariage en cours de Rome. Mais c'est impossible, vous n'y arriverez jamais. Et c'est pourtant la seule solution, puisque le divorce n'existe pas dans ce pays. Et vous pensez que j'aurais accepté? Mais enfin, Anne-Marie, tout ça est trop injuste. Je vous aime et vous m'aimez. Mais il y a encore 2 jours, vous étiez prête à faire votre vie avec moi. Qu'y a-t-il de changé? Hippolyte est encore vivant. Peut-être pour l'état civil, mais dans votre esprit, il est bien mort, n'est-ce pas? Eh bien, oui, bien sûr, mais... 4 ans d'absence à la moindre nouvelle. Il y a plus que de l'oubli dans sa conduite. Quel mépris à votre égard. Ah, je vous en prie. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous allez recommencer à vivre avec lui comme si de rien n'était, si encore le passé il plaidait en sa faveur. Mais qu'a-t-il fait? Sinon, dilapider votre dot et vous tromper largement. Il est malgré tout le père de Léontine. Mais le beau mérite. Vous avez fait partie de la distribution générale. Martin! N'ayons pas peur des mots. Mais qu'est-ce qui reste de l'héritage de votre père? Une malheureuse ferme. Léontine, vous croyez que c'est normal pour une demoiselle de son milieu d'aller apprendre le grec et le français chez le curé, au lieu d'être élevée chez les sœurs de Marmoutier? Vous me surprenez, Martin. Je vous croyais incapable de détester quelqu'un. Je ne déteste pas chacun à sa façon de vivre, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Je le vois d'ici avec ses mines repentantes, des cadeaux pleins les bras, se faire accueillir comme l'enfant prodigue. Et ça recommencera. Vous rentrerez dans le cycle infernal des brouilles et des réconciliations. Mais qui puis-je, Martin? Ce n'est pas moi qui vais réformer une société où les femmes n'ont aucun droit. Mais je vous aime, moi. Mais calmez-vous. Le scandale ne mènerait à rien. Maman, grand-mère vous appelle. Bonjour, Léontine. Vous venez, maman? Ah. Il n'y a qu'un barbarisme. Bien, mon enfant, tu es en progrès. Et maintenant, passons aux verbes irréguliers de la langue attique. Conjugue-moi le futur du verbe savoir. Le futur? Oui. Mais d'abord, le présent. Oïda. Bien. Le futur, maintenant? Eisonai. Non. Eisomai. Bon. Eisomai, eisei, eisetai, eisometa, eisestai. Bon, il y a du progrès. 5 bons points. Monsieur le curé, à la place des bons points, est-ce que je peux partir maintenant? Mais mon enfant, voilà 2 jours que je te libère avant l'heure. Je vole madame ta mère à ma façon. Si au moins je savais... Comment dit-on je savais? Aider. Bien. Si au moins je savais, pourquoi tu veux que je te libère avant l'heure? Ben, c'est que... Tu ne fais pas quelques bêtises? Non, non. Eh bien, préfères-tu me le dire en confession? Oh non, non, parce que... Papa revient d'Amérique, alors
J'aurais voulu l'attendre à la diligence, et puis comme elle arrive à 3 heures, alors... Ah, c'est bien, je comprends. Eh bien, je te le permets, mais à une condition. Tu diras une dizaine de chapelets pour ton papa et ta maman. Parce que... Enfin... File, allez. Si on ne donnait pas à ces gamins des engins aussi dangereux, de pareilles choses ne se produiraient pas. Mais je voudrais bien savoir celui qui va me dédommager, monsieur le maire. C'est à vous de me le dire. Non, pardon, pardon, nous sommes à la limite de la commune. 10 mètres plus loin, j'aurais pu arbitrer votre histoire. Mais ici, voyez le gros chêne, ce n'est pas encore de mon domaine. Et je ne veux pas empiéter sur la juridiction municipale de monsieur Blaiseau. Au revoir, messieurs. Hubert, vous occuperez de la voiture, moi je prends la diligence. Cocher, vous m'attendez, s'il vous plaît. Oh, Hippolyte, le miraculé. Laissez-moi vous toucher, je veux être certain que c'est bien vous. Vous n'apportez plus votre code de maille? Non. Juillet 61, Belrun. Le peloton d'exécution, 12 balles dans la peau. Ben heureusement, à cette époque-là, les recrues nordistes manquaient d'entraînement, à moins que ce soit l'émotion. En fait, 12 balles, j'en ai pris que deux. Une dans l'épaule, l'autre dans le sternum. Mais le coup de grâce. Bon, ça, c'est la théorie. Quand on est une armée au train, on est bien obligé de remettre ses règlements de compte. Comment avez-vous su? Un marin breton. Et votre famille a voulu en avoir le cœur net, alors j'ai fait mon enquête. Le plus étonnant, c'est que Washington a envoyé un certificat de décès. À Tourangeau, ça ne se fait pas avoir comme ça, vous savez bien. Et vous, mon ami, vous les avez créés? Oui. Et il n'y a pas que moi. C'est que, déjà avant votre départ, votre ménage, ça ne marchait pas très bien. Alors, dans un sens, votre mort, ça simplifiait pour votre femme. Veuve ou épouse délaissée, je ne vois pas très bien la différence. Et les tailles, une veuve peut se remarier. Quel est le saligo? Ah, docteur Martin. Il y a longtemps que la cérémonie a été célébrée. Votre dépêche sera arrivée 2 mois plus tard, ça y était. Ah, bon. Alors je veux bien fermer les yeux. Bon, au fond, c'est normal qu'une femme trompe sa solitude avec un amant de cœur. Elle prend le premier homme qu'elle a sous la main. Le médecin de famille est tout indiqué. Marie a toujours eu un faible pour le charme sud-américain du docteur. Et 20 ans qu'il en joue de son charme, celui-là. J'ai peur que ça ne soit pas tout à fait aussi simple que vous l'imaginiez. Oh! Et qu'est-ce qui se passe? Rien, on arrive à Saint-Épin. Il y a un dodane à l'entrée de la commune. Et vous, le maire, vous ne pouvez pas arranger ça? Ça empêche la vitesse, sinon les équipages écraseraient toutes les poules du village. Et bienvenue au pays. Hein. Merci. Bonjour, monsieur le baron. Bonjour, Badin. Ça va? Bon. Oh, ces bottes! Ah, l'Amérique. Ça fait quelques jours qu'on vous espérait, monsieur le baron. Je vous ai gardé ma meilleure chambre. Qu'est-ce que tu crois, Badin? Tu as un domicile? J'emprunte ta carriole, fais charger mes bagages. Je vais coucher chez moi. Chez vous? Enfin, chez la belle-mère. C'est pas du tout cuit. Qu'est-ce que tu paries? Oh, je suis pas joueur. Tiens, mes bottes contre ta fameuse eau de vie. Un petit tonnelet. Oh! Tenu.
Clémentine. Montez dans votre chambre. Eh ben, à la vôtre, monsieur le baron. À la tienne, Balin. Voulez-vous dîner tout de suite? Et non plus tard, j'ai une visite à faire. Je vois. Vous voulez rendre votre femme jalouse. Il y a de ça, oui. Descendez-moi une paire de pattes, s'il vous plaît. Mathias! Oh, Mathias! Hippolyte, tu peux te vanter d'avoir fait parler de toi. Je suis content de te voir. Vous m'avez enterré un peu vite. Après les guerres du Premier Empire, on a mis d'autorité la moitié du village au tombeau. Ça a fait un joli boucan lorsque ces jeunes gens sont revenus de la campagne de Russie. Une femme s'est même jetée dans un puits. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette affiche? C'est à moi que le comte Mathias avait donné l'option. J'ai même une lettre. C'est qu'il s'en passe des choses en 4 ans. Le comte n'est plus de ce monde. Et de toute façon, il te croyait mort. Alors il a légué le château à la commune. Faut te dire que la municipalité l'avait secouru. Alors je ne suis plus seul sur l'affaire. Ça change pas grand-chose, tu sais. Il n'y a guère que le père Louis du Groschen qui s'y intéresse, à ce château. Et encore lui, ce sont surtout les arbres du parc pour les traverses du chemin de fer. Tu crois qu'avec 2000 louis, je pourrais l'emporter? Pique, l'Amérique! Tu pourras t'en payer deux comme ça, tu fais pas de soucis. Maître, monsieur Margeton vous attend. Hippolyte, tu me permets de te parler librement? Bien sûr, mon vieux. Étant donné ton caractère et celui du docteur Martin, je suis étonné que vous n'ayez pas encore tranché votre différend sur le terrain. On voyait le médecin du pays à Patres, mais j'aurais toute la population à l'eau. Au fond, tu l'aimes, notre Martin, hein? Tu te souviens de nos frasques? Et la grande Gertrude? Mais n'essaie pas de m'attendrir, mon vieux. Martin est un magnifique salaud. Allez, au revoir, mon bon maître. Au revoir. Alors, Marie-Louise, vous faites la porte maintenant? J'ai reconnu votre voix dans le bureau. Vous n'avez pas changé. La province conserve. Allons, allons, vous êtes trop modeste. Oh, mais dites donc, mais ça sent bon, ça. Une poule au riz. Un petit conseil. Ajoutez-y une pointe de gingembre et vous verrez. Vous restez dîner avec nous? Non, je suis désolé, mais on m'attend.
Ma titi. Léontine, papa. Pardon. C'est vrai, on ne se range plus les ongles, Léontine. Bientôt, tu quitteras tes petits pantalons brodés et tu porteras la crinoline. Maintenant, tu vas faire un tour. Le tour du propriétaire. Vous avez un chez vous? Non, mais j'ai ramené pas mal d'argent d'Amérique. Et dans 15 jours, j'achète mon regard. Oui, tout ça sera bientôt à moi. Enfin, à nous. Et on y plantera de la vigne, partout. Le secret de la vigne réside dans l'art de tailler les cèpes. Sais-tu comment les moines de Marmoutier l'ont appris? Non. Par leurs ânes. Un jour, les ânes échappés du pré broutèrent dans les vignes feuilles et jeunes pousses jusqu'aux cèpes, qui furent considérées comme perdues. Et quelle ne fut pas la surprise des moines de voir l'année suivante les cèpes broutées donner les plus belles grappes. On lui avait donné rendez-vous dans la famille il y a 300 ans. Et le voilà, un peu fourbu après une telle attente, mais toujours debout. On y donne un bal ce soir. Ton premier bal, ta première robe à traîne. Allez, dépêche-toi. Regarde, il y a ces meilleures jantes, demoiselles. La première pierre de ce château a été posée par notre ancêtre, Philibert de Maîtrée d'Île-de-Fort. La prouvée en déclenant les maillotins et en mettant en place, sans le secours de personne, cette poutre maîtresse. Mais il est tard, qu'est-ce que je vais dire à maman? Oh, c'est vrai ça, au fait. Attends, je vais te faire un mot. Du haut de ma châtellenie de Maîtrée, recevez, jante damoiselle, cette lettre patente qui vous donnera le privilège de rentrer après le couvre-feu. Avec ça, vous pouvez aller en paix. Hippolyte de Maîtrée. Excuse, mademoiselle Léontine de Maîtrée, pour son retard. Bon, on est déjà levé. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est la cérémonie du feu nouveau. La nuit bienheureuse. La vigile de Pâques. La sainteté de cette nuit bannit les crimes, efface les fautes, rend aux coupables l'innocence et la joie aux malheureux. Elle dissipe les haines, dispose à la paix et adoucit les commandements qui nous pèsent.
Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il le fit tomber dans un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et Dieu créa la femme, et il l'amena vers l'homme. Ainsi Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Puis je vous attire mon bras. De bien beaux textes, là. Vous ne venez pas souvent à l'église, mais quand vous y venez, vous tombez pile. Bon, eh bien alors, mesdames, messieurs, nous allons procéder à la vente aux enchères du château de Morgard, mise à prix 20 000 francs. Oui. Enchères par 2 000 francs. Y a-t-il preneur à 20 000 francs? Oui. 20 000 francs ici. 22 000. 22 000. 24. 24 000. 26 000. 26 000. 28. 28 000 ici. 30 000. 30 000. Bon. Trente-deux mille. La forme. Martin. Martin. C'est gentil de venir me surprendre. Je ne savais pas comment faire pour vous voir. Quand j'y pense. Il y a un mois, nous étions fiancés. On se voyait au grand jour. Et maintenant? Était-il vraiment nécessaire de lui prendre son château? Vous auriez pu au moins lui laisser cette consolation. Je ne veux pas qu'il ait la moindre raison de rester en Touraine. Je veux lui couper toutes ses racines. Déjà, il est à bout de nerfs. Il fait du scandale dans la rue. Il boit. Je ne lui donne pas 2 mois avant qu'il se sauve comme un voleur. Mais vous êtes machiavélique? Non. Je rétablis l'équilibre. Il y a toujours un préjugé favorable pour les maris, même s'ils se comportent comme des arsouilles. Oh, tout de même! Déjà, vous vous laissez attendrir. Vous ne pensez pas le revoir, non? Bah, de toute manière, il n'y a pas de solution. Après son départ, nous vivrons ensemble. Mais, et le scandale, vous y avez pensé? Ma mère. Il n'y a que le scandale qui vous fait peur? Répondez. Bah, oui. Bon, eh bien, je vous emmènerai vivre ailleurs, dans le pays de mon frère, au Paraguay. Là-bas, la femme appartient à celui qui la protège. Vous vivrez comme une reine. Une reine? Déraciné. Moi aussi, je me mettrais peut-être à boire. Mais ma pauvre chérie, vous avez trop de linge entassé dans les armoires, trop de greniers pleins de souvenirs. Oh, je ne suis qu'une petite provinciale. Pas de fausse modestie. Il faut que je me sauve. Il ne faut pas laisser les malades prendre l'habitude de se tirer d'affaires sans leur médecin. Vous ne savez peut-être pas, mais tout peut être vu ici-bas. Le ciel, vu ses oiseaux. L'océan,
avec ses poissons. Les plus seuls aux jours roses. Tout est boisson. L'amour se boit. La gloire se boit. Et la honte. Clément. C'est vrai que tu vas te marier? Ben oui, monsieur. Alors t'es encore plus sous que moi. Tu sais pourquoi les femmes ont des robes si larges et craignent la ligne immense? Bon. C'est pour mieux nous mettre sous cloche. Anne-Marie! Anne-Marie! Ton Eldorado. Ma montgolfière. Tu es là? Ouvre-moi! Je suis toute ta vie. Ton passé gâché, ton avenir inquiet. Tu ne peux rien sans moi. Un mari nouveau, ça ne se fabrique pas comme ça. Il en faut des querelles et des réconciliations. Reprends-moi comme je suis, ridé, gueulard, avec des cicatrices plein la poitrine et un tourbillon de folie dans le cœur. Pardonne-moi, Marie. Pardonne-moi, nom d'un chien! Où je vais sauter toute la baraque et ma cervelle avec. Oui. Ça, je m'en doutais. Et maintenant, pour moi tout seul, hymne à la lune. Et vous qui êtes comme la lune. Qu'est-ce qui se passe? On l'a sorti de la rivière. On croit bien qu'il est mort. Bon, faut qu'on rentre. Le père va s'inquiéter. Bonjour, docteur. Vous n'avez pas besoin de moi, docteur. Non, 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 ça va. On a comme une idée que vous vous arrêterez jamais. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est l'assemblée de Pentecôte. Il peut y avoir des jeux sur les temps. Bien. Va me brosser tout ça, hein? Monsieur.
dit cette belle grâce, tant les grâces que la moine de Marboutier, qu'on fait qu'il y ait, Mais ça ne vous gêne pas de vendre des baisers? À moi, vous savez, quand il s'agit d'aider les pauvres. C'est là, c'est bien la première fois que je la vois vendre des baisers. Mais il est bronzé comme le neige. Voilà, oui, je vois là un monsieur qui est de mon avis. Et cette volaille somptueuse à la Madame, me faites-vous l'honneur de me vendre tous vos billets? Polly, il m'en reste encore 8. 100 francs, mais c'est bien cheval. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alors, monsieur le baron, il en manque un? Pour la course, l'équipage de chaque bateau sera constitué par un homme et par une dame. L'homme qui tirera, par exemple, la jonquille, ira retrouver la dame qui a déjà la jonquille, et etc. Providence fait bien les choses, monsieur le baron. On se demande à qui se fier. Attention! Enfin, Hippolyte, qui voulez-vous impressionner? Mais... À quoi jouez-vous? Vous ne trouvez pas cette intimité charmante? Et souvenez-vous, vous me devez un baiser. J'en ai pris que 7. Bon, ben alors dépêchez-vous. Maintenant, ramenez-moi. Bien, madame. Alors, docteur, vous arrivez bien tard. Est-ce que tu aimerais faire du bateau? Oh non, j'aurais trop peur. Avec un petit comme ça, je comprends. Mais avec un encore plus grand. Un avec une cabine pour le bateau de sel. Un grand bateau qui va sur la Loire avec une grande roue? Encore plus grand.
hein, qui traverse l'océan. Je dois aller dans mon pays. Ça te plaît de m'accompagner? Avec ta maman, bien sûr. Oh oui, je comprends. Si je te disais qu'on parle demain, ça ne t'ennuierait pas de quitter tes petites amies? Enfin, la Touraine. Pour ce qu'on s'amuse ici. Bon, je vais en parler à ta maman. Et permettez-moi de vous remercier tout franchement. Félicitons pour cette brillante victoire. Anne-Marie, que pensez-vous de la pitié? Pourquoi? Parce qu'elle est en train de vous jouer un très mauvais tour. C'est le pire des chantages. Hippolyte n'est pas un homme à se contenter de la pitié. Tiens, tiens. Bien sûr. Rien ne donne plus envie d'aimer que de retrouver quelqu'un qu'on a aimé. Mais méfiez-vous. Pour le moment, il est doux comme un agneau. Mais dès qu'il aura repris de l'assurance, il vous fera payer très cher vos illusions. La seule idée de vous savoir malheureuse à nouveau est insupportable. Mon frère réclame ma présence à Montevideo. Soyez du voyage, ça vous changera les idées. On ne fait pas une telle traversée uniquement pour se distraire. Au moindre souhait de vous, je vous ramène en France. Vous savez bien que je ne vous le demanderai jamais. Vous allez vous arranger pour m'envoûter. Je perdrai jusqu'à la notion du bien et du mal. Et au bout de quelques semaines, je me demanderai pourquoi j'ai tant tardé à vivre en concubinage avec vous. Et puis, surtout, il y a ma fille. Je lui en ai déjà parlé. Elle est folle de joie à l'idée de traverser l'Atlantique. Ah! On séduit la fille pour avoir la mère, hein? Mais il y a la grand-mère. Il ne peut en être question. Non, vous la voyez là-bas, ma fille, aux antipodes? Loin de tout. Mais je la vois très bien. Avec vous, donnant des ordres domestiques, faisant les menus, dirigeant la maison. Par exemple, pour recevoir le général Flores. Oui, notre Napoléon III. Ça, vous ne serez pas trop de deux. Là-bas, les soirées durent 8 jours. Et où dorment les invités? Il y a des chambres d'amis en pagaille. Ah, mais toutes très grandes. Rien que la vôtre, à 30 mètres de long, tapissée de bigogne, avec une vue magnifique sur le Rio de la Plata. Enfin, Martin, ce n'est pas sérieux. Une confidence. Je suis amoureux de toutes les femmes de la famille. Vous ne vous rendez pas compte. Que diraient les gens? Que vous emmeniez ma fille? Pas encore. Mais que je vous accompagne. Bon, eh bien, vous viendrez nous rejoindre. Pour ma fille, je n'ai pas dit oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, bande abelus? Allons, dépêchons, on est déjà en retard. Capitaine, j'aimerais passer toute ma vie sur votre bateau. Eh bien, profitez-en, ma petite demoiselle. Parce que je vous le dis entre nous, c'est un de mes derniers voyages. Oh, quelle dommage. Plus de fret, plus de voyageurs. Le chemin de fer, c'est la mode. On bichonne sa locomotive et on laisse la rivière s'assembler. Allons, passons, on va! Capitaine! Il me tarde d'être à Nantes. Patience, ma chère. Si nous étions dans une de ces machines que se prête à imaginer Monsieur Jules Verne, nous serions déjà en vue du Paraguay. Mais ce serait dommage. Il faut savoir faire durer le plaisir. Si je comprends bien, je vais perdre beaucoup à Montevideo, quand je n'aurai plus le charme de la femme qu'on enlève. Ah, ah, les petites cessent de courir comme ça. Ma parole, cette petite devient folle. Mais dites-moi, ne serait-ce pas Hippolyte? Rien de surprenant, mais il a quand même fait vite. Je ne l'attendais qu'à Nantes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer?
Enfermez-vous dans la cabine avec Léontine, je vais lui parler. Il va faire une scène épouvantable. Ça m'étonnerait. Voilà, tout est réglé. Vous dites ça pour me rassurer. Il est allé chercher les gendarmes? Non, nous ne risquons aucun danger. Mais ne me dites pas qu'il est parti comme ça. Il ne voulait plus de moi, c'est ça, hein? Puisque vous insistez, disons que je l'ai désintéressé. Quoi? Vous lui avez offert de l'argent? Une rançon? Quel est le cours actuel de la femme légitime? 1000 louis? 2000? 3000? Un petit château du 15e. Morgard. Mais oui. J'avais prévu tout ça. Avant de partir, j'ai fait établir par le notaire un acte de donation pour Hippolyte. Non, ça n'est pas mon genre. Mais mon frère m'a toujours répété que lorsqu'on spécule sur la bassesse des champs, on est toujours sûr de gagner. Et j'avais terriblement envie de gagner. C'est ma seule excuse. Et mes bagages. Vous partez en Amérique? Le plus au nord possible. Très loin du Paraguay. Je reviens tout à l'heure. Un dernier adieu à faire. Ah ben vous êtes bien bon. Il n'y en a pas un qui ne se moque pas de vous dans le pays.
faut que je vous parle. Comment vous dire? Oh, c'est pas commode. Vous croyez que ça arrange tout? Avouez que ce n'est pas moi qui vous intéresse, mais votre descendance. Un petit baron pour votre grand château. Il n'y a plus de château. Si, je lui ai racheté. Avec une échéance. Cela m'arrangerait même que vous me l'achetiez parce que... parce que j'ai pas d'argent. Il a fait ça? Pourquoi êtes-vous revenu? J'avais peur. Et puis... Et puis j'aurais eu mal au cœur, dans le paquebot.